savourer l'Isère avec 38 à table. Si vous n'avez pas bonne mine, le Mine va vous rendre des couleurs. Le marché d'intérêt national, c'est un hymne aux saveurs, à la fraîcheur. On va vous en compter des vertes, mais pas des pas mûres. Sa fleur jaune et flamboyante en dit long sur le bouquet de saveurs de la reine des cucurbitacées. C'est vrai qu'elle en jette la courgette, Stéphane. Ça va, Lucine? Oui, très bien. Ah ben oui, ravie, bon. Bah, surtout avec toutes les vitamines de la courgette. Elle se prépare un petit peu partout, on la trouve partout d'ailleurs. Exactement, c'est un produit, c'est un légume qu'on trouve facilement partout en France. Mais en Isère, on la trouve très facilement parce qu'on a un très bon climat pour ça. Oui, et on la cuisine très facilement aussi. Je vois que tu es déjà en train de la manger crue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des tagliatelles de courgettes, on peut faire des omelettes, on peut faire des ratatouilles. Oui, on peut faire des courgettes farcies, on peut faire plein de choses. Et puis moi, en fait, j'aime bien cette couleur verte. Je me suis dit, je vais fixer la couleur et on va faire un crémeux de courgettes. Un crémeux de courgettes. En entrée, en plat, en accompagnement? On va le faire en entrée. Ça se mange bien tout l'été, septembre, octobre, tant qu'on a de la courgette. C'est très très simple à faire et c'est excellent. Eh bien c'est parti, tu vas m'apprendre. Alors, on va la cuire? On va la cuire. Alors, on l'appelle pas hein, déjà? Non, moi je les lave. Ensuite, c'est important, c'est de toucher pour sentir la densité de la courgette. Faut qu'elle soit bien ferme. Faut qu'elle soit bien ferme et en même temps, ça te donne la teneur en eau qu'à l'intérieur. Très important aussi, c'est à température ambiante. On ne travaille jamais un légume froid. D'accord, pourquoi? Parce que tout de suite, on a des écarts de cuisson de 3 à 4 minutes. Ok, ah! Donc c'est très très important, c'est que la courgette soit à température ambiante. Je la coupe en deux dans la longueur, encore une fois en deux, c'est très simple, tu vois. Et après surtout, il faut que ce soit régulier, il ne faut pas que ce soit trop fin, ni trop gros. Parce que le but, c'est de la cuire très rapidement et de fixer la couleur. Et si elle est trop grosse, il va falloir beaucoup plus de temps pour la cuire et on va perdre la couleur. D'accord. Donc, là ici j'ai mes courgettes qui sont coupées, on va utiliser de l'eau, parce qu'en fait on va les cuire, on va les faire étuver et on va lui faire rendre de l'eau. Et pour ça, il faut incorporer de l'eau au départ pour l'aider à rendre de l'eau. D'accord, sinon elle sèche tout de suite. Sinon elle sèche tout de suite et ça va marquer avec la cuisson. D'accord, donc de l'eau, de l'huile, pas de sel. L'huile d'olive, à la fin, tu vois. De l'eau, tu vois, c'est très simple. Hein. Et du beurre. Je mets toujours une noix de beurre. Ça amène de l'onctuosité, c'est important. Je vais mettre mes courgettes. Toi, il faut que ça tapisse le fond de la casserole. Là, tu mélanges bien et c'est parti. C'est très important. L'eau va pénétrer dans la courgette. Ensuite, elle va s'évaporer, elle va s'extraire et ça va cuire la courgette. D'accord. L'opération va durer à peu près 2 à 3 minutes. C'est très rapide. Et quand elle va être cuite, on va mettre de la crème. Très bien. Pour finir la cuisson. Donc là, il est beau, là, le verre, déjà. Il est très joli. Mais sinon, c'est pas trop croquant, si c'est trop rapide si... Alors, justement, il faut arriver... Je vais bien te montrer, parce que je vais te montrer l'étape au moment où on va arrêter la cuisson. La partie blanche va être translucide, et on va conserver la partie verte légèrement croquante. Okay. Si on voit que ça commence à colorer légèrement, on n'hésite pas à remettre un petit peu d'eau. On en remet. Là, ça va? Pour le moment, ça va très, très bien. Voilà, tu vois, regarde. Là, elle a bien rendu son eau. Là, maintenant, je mets ma crème. Crème entière, liquide. Crème entière, toujours. Alors, tu vois, regarde. Voilà. Et là, maintenant, je vais mettre un peu de sel. D'accord. Du poivre. L'étape qui est très importante, là, en fait, on va faire cuire la crème. Donc, ça prend 2-3 minutes. Faut que ça réduise, mais pas trop fort non plus. Sinon, on n'aura plus rien. Là, la crème, elle a cuit. Tu vois? Ensuite, je vais la débarrasser dans ma plaque à trous. Et moi, je la débarrasse dans ma passoire. Exactement. Là, j'ai pris une plaque à trous parce que vu qu'on va en faire goûter à tout le monde. Ce qui est important, c'est de regarder la consistance en fait de ta crème, parce que ça peut arriver qu'elle soit trop liquide, qu'il y ait trop d'eau dedans. Donc à ce moment-là, moi, je fais réduire. D'accord. Je remplis mon blender, tu vois. Donc, je ferme et on part pour 2 minutes. Maximum. Ouais. Voilà, là je débarrasse. Donc, regarde. Là on est sur un velouté.
Moi, j'appelle plutôt ça un crémeux, en fait. Un crémeux. Ouais. Donc, toi, on a quelque chose de très onctueux. Oui. Au niveau de la couleur, t'as quelque chose qui est très appétissant. Ouais, on a vraiment fixé la couleur, c'est vraiment magnifique. Donc là, ouais, je mets de l'avocat. On va mettre quelques tranches d'oignon, un oignon doux, comme ça. Je vais venir dresser ça comme ça. Oh, joli! On met un tout petit peu d'huile d'olive. Pardon. Là-dessus, je mets... Tu connais ça? Les edamame, j'adore ça. Ça amène du croquant. Des pois de soja, en fait. Ouais. Mmh. Et on est sur du vert, hein, t'as vu? Mmh. On est sur les mêmes couleurs, même ton. Ça, c'est du chou rabe, qui est légèrement mariné. Mmh. Dans quoi? Un mélange mirine. Mirine, alcool de riz, vinaigre de riz et miel du Pantin. Qui a un peu d'amertume dans le chou rabe. Ouais, mais justement, le fait d'amener le miel, ça amène la douceur. Magnifique! C'est sympa, non? Super, magnifique, chef. Et en plus, c'est facile à faire à la maison. La recette est, comme d'habitude, sur télégrenoble.net. Tous les détails de la recette sur notre site internet. On peut goûter? Vas-y, tu peux goûter. Allez, merci beaucoup, chef. À très vite. Ça va? Génial. Tu veux? Ouais. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.